Ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide. Ça a toujours existé et ça continuera à exister parce que sinon vous ne produirez pas suffisamment de produits. Il faut rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui totalement alternative aux pesticides. Et d'autre part, comment on nourrit les gens? Je vous rappelle les chiffres parce qu'on ne les a peut-être pas redit suffisamment. Si on ne produit, si on fait des produits absolument sans pesticides aujourd'hui, 40% de production en moins, 50% de coût en plus. Aujourd'hui, pardonnez-moi. Ça, c'est le premier son de cloche que j'ai entendu lors d'une émission intitulée « Du poison dans nos assiettes ». Les arguments avancés par mes deux contradicteurs semblaient très sérieux. Il y a très différents. Il y a le marché, il y a les commerçants de proximité, la vente directe se développe. Autre son de cloche, deux semaines plus tard à Genève, où Olivier de Schutter, le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, avait dressé un bilan très critique de la fameuse révolution verte et affirmé au contraire que seule l'agroécologie est capable de nourrir le monde. Monsieur le Président, Excellences, je présente ce rapport à un moment où les prix alimentaires mondiaux ont augmenté pendant 8 mois consécutifs. Cette crise que nous affrontons n'est pas seulement une crise de l'offre, c'est aussi une crise de la pauvreté, c'est une crise de la nutrition, et enfin c'est une crise écologique. Des méthodes de production non durables accélèrent le changement climatique et la dégradation des sols, épuisent les réserves d'eau douce, menaçant à terme notre capacité à nourrir la planète. Au sein de la communauté scientifique, un constat s'impose. Il faut changer de cap. Les recettes anciennes ne valent plus aujourd'hui. Les politiques de soutien à l'agriculture visaient à orienter celle-ci vers l'agriculture industrielle. Il faut à présent qu'elle s'oriente vers l'agroécologie partout où cela est possible. Qui croire? Comment nourrir le monde qui comptera 9 milliards d'habitants en 2050? Avec ou sans pesticides? J'ai lu le rapport d'Olivier de Schutter et j'ai décidé d'entamer un nouveau tour du monde. Ma quête vise à découvrir sur le terrain ce qu'est l'agroécologie et en quoi ce modèle s'oppose à celui de l'agriculture industrielle et de la révolution verte, promue depuis plus de 50 ans. Elle vise aussi à comprendre pourquoi aujourd'hui, 1 milliard de personnes souffrent de la faim. L'histoire que je vais vous raconter nous concerne tous, car elle engage l'avenir de la planète et de l'humanité. La première étape de mon enquête m'a conduite au Mexique, qui représente le centre d'origine du maïs. Née il y a 9000 ans, dans ces montagnes du sud du pays, la plante sacrée des Aztèques est aujourd'hui la céréale la plus cultivée au monde. Si je suis venue rencontrer Eleazar et Teresa, c'est parce qu'ils pratiquent un système agricole développé bien avant la conquête espagnole, qui est considéré comme l'un des modèles les plus accomplis de l'agroécologie. Baptisé Milpa, il consiste à semer en même temps des graines de maïs, de haricots et de citrouilles. C'est du maïs local? Oui, c'est du maïs traditionnel. Nous n'avons pas perdu les coutumes de nos ancêtres, de nos pères, ses grands-pères. Mira estos tres. Ya están bien bonitos. Voy a querer que cortes algunos para la comida. ¿No? Mira. El maíz sirve. Le maïs sert de tuteur aux haricots. Entonces lo que hace el frijol
Quant au haricot, ce qu'il fait, c'est qu'il fixe l'azote de l'air et ensuite il l'apporte au maïs. Et les feuilles de citrouille font de l'ombre sur le sol et permettent de conserver l'humidité. Nous avons ainsi des parcelles en parfaite santé et nos résultats sont meilleurs. Dans le système de la milpa, il n'y a pas de mauvaises herbes, car y compris les adventices, c'est-à-dire les plantes sauvages qui poussent au milieu des cultures, ont de multiples fonctions, comme l'acawal, un cousin du tournesol. Pour nous, ce ne sont pas de mauvaises herbes. Au contraire, nous les laissons pousser dans la parcelle parce que nous les donnons à manger aux animaux. Les animaux produisent de la matière organique et du fumier qui entretiennent la fertilité du sol. Le système de la milpa est un circuit fermé. C'est pourquoi nous disons que c'est un modèle d'agriculture durable, qui ne dépend pas du marché extérieur, mais qui génère ses propres moyens de production et intrants, grâce à nos ressources et notre savoir-faire, nos semences, notre main-d'œuvre, nos animaux. Ce système nous permet d'être autosuffisants. L'agroécologie est l'antithèse de l'agriculture industrielle parce qu'elle n'est pas une agriculture basée sur des intrants, mais sur des processus. Elle ne repose pas sur des monocultures qui ont besoin d'intrants en énergie, pesticides, engrais chimiques, mais elle s'appuie sur une série de principes comme l'accroissement de la biodiversité, le recyclage, l'augmentation des matières organiques du sol, l'intégration d'animaux, etc. Par exemple, la milpa est un système de polyculture typique de l'Amérique centrale, mais si on va dans d'autres régions, on trouvera d'autres combinaisons de cultures, dont l'interaction produit des synergies qui rendent le système beaucoup plus productif que les monocultures. On croit généralement que les grandes fermes produisent plus d'aliments, mais en fait, les petites fermes, quand on mesure la production totale, sont beaucoup plus productives que les grandes. Par exemple, quand on mesure l'efficacité énergétique des grandes exploitations industrielles, on obtient un rapport de 2 ou 3, maximum. Ça veut dire qu'en injectant 1 kilocalorie d'énergie, on obtient 3 kilocalories d'énergie en termes de nourriture. Pour une petite exploitation, le rapport est de 15 à 30. La conversion énergétique est très élevée. Dell Lesser exploite 480 hectares de soja et de maïs transgéniques dans le Midwest américain. Contrairement à Eleazar, son collègue mexicain, il est obligé de racheter chaque année de nouvelles semences car les OGM sont protégés par un brevet. Ses coûts de production ne cessent d'augmenter en raison de la résistance développée par les insectes et les mauvaises herbes aux pesticides chimiques ou transgéniques. C'est du maïs transgénique ? Oui, cette variété est ce qu'on appelle un OGM triple. Elle comprend un gène pour la pyrale du maïs, un autre pour la chrysomèle des racines du maïs et un gène de résistance à l'herbicide Roundup. La semaine dernière, nous avons rencontré au Mexique un producteur de maïs qui pratique le système de la milpa. Vous savez ce que c'est ? Non, je n'ai jamais entendu parler. C'est une combinaison de plantes. On cultive en même temps des citrouilles, des haricots et du maïs. Quels sont, d'après vous, les avantages ? J'imagine que si on a plus de biodiversité, on a moins de problèmes avec les parasites.
Comme nous avons ici une grande diversité d'aliments pour les insectes, ceux-ci s'attaquent un peu au maïs, un peu aux haricots, un peu aux citrouilles ou aux herbes qui poussent dans la parcelle. Au bout du compte, ils ne constituent jamais un problème. C'est le problème des monocultures. Si tu fais du maïs et du maïs, finalement, les parasites sont de pire en pire. Et tu dois utiliser tellement de pesticides et d'herbicides que c'est très mauvais pour l'environnement. Ici, nous n'appliquons absolument rien. Ni engrais, ni insecticides, ni herbicides. Aucun produit chimique pour contrôler les ravageurs ou les mauvaises herbes. Dès que les mauvaises herbes deviennent résistantes, il faut appliquer autre chose, et puis on finit par pulvériser toutes sortes de produits. Pour éviter tous ces produits, certains agriculteurs préfèrent n'utiliser que le Roundup, parce que c'est simple, très simple, tant qu'on n'a pas de mauvaises herbes résistantes au Roundup. Avec la technologie, on s'en sort toujours, mais avec tous ces produits chimiques, on est toujours un peu inquiet. Pour votre santé? Oui, pour les effets que ça peut avoir sur la santé. On ne les voit pas tout de suite, mais au bout de 25 ans. Et pour vos enfants? Oui, ou pour les consommateurs qui vont boire l'eau, ou pour les nappes phréatiques. Nous faisons partie de la Terre, et nous vivons de la Terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas déverser sur la terre quelque chose dont nous savons que cela lui fera du mal. C'est un peu comme si nous faisions la guerre à celle qui nous nourrit. Depuis bientôt 30 ans, Eleazar, le petit paysan du Mexique, qui pratique l'agroécologie, et Dell, le grand céréalier des États-Unis, qui pratiquent l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire chimique, sont concurrents sur le marché nord-américain du maïs. C'est une conséquence de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, signé par les dirigeants du Mexique, du Canada et des États-Unis en 1992. Free trade is the way of the future. Entré en vigueur le 1er janvier 1994, l'ALENA prévoit la libre circulation des biens et des services, y compris des produits agricoles, dans les trois pays de la zone. L'accord est considéré comme un laboratoire de la mondialisation dans le domaine agricole. Freihandel für Landwirtschaft. Dans le domaine de l'agriculture, le concept de libre-échange est tout simplement une farce. Car en agriculture, il y a toujours des entorses à la règle. Ces entorses ont pour conséquence que les grands producteurs, et particulièrement ceux des pays développés, profitent largement du marché mondial. Ils profitent de subventions pour la production, pour avoir de l'énergie bon marché et de l'électricité bon marché. Le résultat, c'est que ces producteurs sont incapables de dire aujourd'hui quels sont leurs coûts réels et leurs revenus réels. La majorité des coûts de production, comme la pollution des eaux ou l'énorme consommation d'énergie, ne sont pas pris en compte. Les prix de leurs produits sont donc complètement faussés. En 1992, David Pimentel a publié une étude intitulée « Les coûts environnementaux et économiques de l'usage des pesticides ». Pour la première fois, il a évalué les coûts indirects que génère l'agriculture chimique. Parmi eux, la mort d'insectes bénéfiques, d'abeilles, d'oiseaux ou de grenouilles, la contamination de l'eau et de l'air,
et les maladies que provoquent les pesticides chez les paysans, les riverains ou les consommateurs. Résultat, il y a 30 ans, la facture américaine s'élevait à 10 milliards de dollars par an. La quantité de pesticides qui atteint sa cible est très faible. Dans des conditions optimales, 50% des pesticides épandus atteignent la zone cible. C'est un terrible gâchis qui tue des oiseaux, des poissons, pollue l'eau et affecte la santé publique, avec des morts et des gens qui finissent à l'hôpital. Tout cela fait partie des 10 milliards de dollars de dommages. Comment les firmes chimiques ont-elles réagi à votre étude? Évidemment, les firmes chimiques n'ont pas apprécié notre publication. J'ai su qu'elles avaient écrit au doyen de notre université pour lui demander de me licencier. Elles n'étaient pas très contentes de moi, c'est sûr. En 2008, une étude publiée par le Parlement européen a confirmé les estimations de David Pimentel. Sous la houlette de Catherine Ganz-Leben, ses auteurs ont estimé les coûts sanitaires des pesticides utilisés en Europe pour évaluer les économies que leur interdiction permettrait de réaliser. Nous avons trouvé des preuves très solides du lien entre le cancer et l'exposition aux pesticides. En se basant sur ces données, nous avons estimé que l'élimination des pesticides cancérigènes du marché européen pourrait éviter 26 000 cas de cancer, ce qui équivaut à 26 milliards d'euros par an. Les coûts sanitaires associés aux pesticides représentent ce qu'on appelle des externalités. Ce sont des coûts qui ne sont pas incorporés dans le prix payé par le consommateur quand il achète un aliment dans un supermarché. Si nous décidions d'inclure ces coûts dans le prix payé par le consommateur, le coût des aliments augmenterait inéluctablement. Retour au Mexique. C'est précisément parce que le prix du maïs américain est faussé qu'aujourd'hui, les petits paysans mexicains sont ruinés. Pourtant, avant l'accord de libre-échange nord-américain, le Mexique était autosuffisant pour son alimentation et notamment pour sa consommation de maïs, qui constitue l'aliment de base de la population. Pour soutenir la production nationale, le gouvernement taxait les importations et garantissait un prix minimum aux producteurs. Au nom du libre-échange, toutes ces mesures ont été supprimées alors que les États-Unis maintenaient leurs subventions agricoles. Résultat, aujourd'hui, le Mexique importe plus de 30% du maïs qu'il consomme, tandis que localement, le prix chutait de 66%. Eleazar fait partie d'une association de paysans qui promeut le système de la milpa comme un moyen de résistance face au modèle imposé par l'ALENA. Tout ce que nous mangeons ce soir vient de la milpa. Pour nous, le système de la milpa est totalement lié au problème de la souveraineté alimentaire. Quelle est la différence entre la sécurité et la souveraineté alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est par exemple cette corbeille de tortillas. Si on n'a pas d'argent pour les acheter et les mettre sur la table, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, c'est tout le contraire. C'est que les familles puissent produire ce qu'elles consomment. Avec le traité de libre-échange, l'ALENA, on a ouvert les frontières et beaucoup de produits, principalement le maïs, arrivent des États-Unis à un prix très bas. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de migration. Moins de motivation pour travailler dans l'agriculture, donc moins de paysans. Certains préfèrent acheter un sac de maïs plutôt que de le produire, parce que ça revient beaucoup plus cher. La conséquence de l'ALENA, c'est que beaucoup ont dû arrêter l'agriculture et émigrer. Musique.
Depuis l'ALENA, 3 millions de petits paysans ont abandonné l'agriculture. Chaque année, 500 000 Mexicains ont rejoint clandestinement les États-Unis. Les autres ont migré dans les bidonvilles de Mexico, où ils survivent grâce aux expédients de l'économie informelle. À l'instar de plus d'un milliard de personnes dans le monde, ils font partie des pauvres urbains qui souffrent de ce que l'ONU appelle la faim silencieuse. Aujourd'hui, 19 millions de Mexicains souffrent de malnutrition. C'est dans ce contexte d'urgence alimentaire qu'Olivier de Schutter a effectué une mission officielle en juin 2011. Malheureusement, il ne fut pas possible de filmer ses rencontres avec le gouvernement mexicain. Pour cette occasion exceptionnelle, les organisations paysannes avaient organisé un colloque baptisé « La faim n'attend pas ». National campesino con el título del hambre no espera. Es importante que lo diga al mundo que México vive una crisis agroalimentaria, que es necesario que nuestro gobierno lo reconozca y que es necesario que la clase política y la sociedad entera tomen las medidas necesarias para superar esta situación de crisis que es inhumana. My interest for the right to food dates from one morning I still remember. And that morning was a morning of January 2007, when the Mexicans took the streets to complain about the tortilla crisis, the prices of tortilla increasing 50% in a matter of a few weeks. And I noted that the production was above average levels, that the imports of maize were above average levels. Still, the prices climbed. And the prices climbed because a small number of very powerful companies dominating the system of distribution of maize were using their power on the market to impose these price spikes on the consumers. Cargill, Maseca Archer Daniels Midland, Minsa Arancia Corn Products, Agroinsa. So I agree with you, el hambre no espera. We need to move to policies that allow countries to feed themselves. That is what the right to food is about. And to do this, we need to protect producers from the abuse of the large commodity buyers by scaling up agroecological practices. I believe that we need to reduce the dependency of food production on fossil energies. And I believe that we need to reduce the environmental impacts of agriculture as it is predominantly practiced today. La deuxième étape de mon enquête m'a conduite au Malawi, un pays de 15 millions d'habitants, où la moitié de la population vit dans un état de pauvreté extrême, avec un revenu inférieur à 1 euro par jour.
Autant dire qu'ici, comme dans de nombreux pays du Sud, on ne mange pas tous les jours à sa faim. D'après les Nations Unies, la malnutrition tue chaque jour 24 000 personnes, dont 10 000 enfants. Les victimes sont majoritairement africaines. Je suis arrivée au Malawi en décembre 2011. Dans les campagnes planait le spectre de la faim, car la saison des pluies accusait beaucoup de retard. Comme en 2005, où la sécheresse avait provoqué une grave crise alimentaire. Ndimagwira ntchito ku bungwe la ICRAF kapena sokuti World Agroforestry Center. Mbewu iyi ndi mbewu ya Glycidia, kotero kuti pa maekala awiri ndi hafu ngati titadzala mitengo ngati iyi, pakamatha zaka zitatu titha kukolola chimanga chopanda fertilizer tosachepera matani asanu. Matani asanu. Titatita tsatira izi, sikuzakhala so mkatolika wakuno wogona ndi njala. Koma tsopano lino ndikufuna ndipemphe abambo Mark Majoni angofotokozako kuti kodi zimene tikunenazi zawathandiza. Zikoma Mbuye, nanga ndine Maliko Majoni. Banja langa Mrs. Majoni. Timagira nchito yoyangalira kaidi prisoni ndiye 1990 pafupi 1989 ndinapuma. Nditapuma ndrama zose likagulira in fertilizers zinatha. Chocho ndinayamba kupa kuti ICRAF ama zala chimanga ndi mitengo. Chocho ndapira kukawa afusa. Nditawafusa amene wawo anabwera kuzani kuzisa. Pakali pano tinganire kuna kuti mukafuna kuti ndikuphunziseni muta kubwera ziko mkwandira. Au Malawi, plus de 75% de la population vivent dans les zones rurales, où l'agriculture constitue le principal moyen de subsistance. Paradoxalement, comme partout dans le tiers-monde, c'est aussi dans les zones rurales que se concentrent la pauvreté et l'insécurité alimentaire. En 2007, le gouvernement a lancé un vaste programme d'agroforesterie qui est cité dans le rapport d'Olivier de Schutter comme une expérience réussie d'agroécologie. À ce jour, plus de 180 000 paysans ont été formés avec le soutien des techniciens du Centre mondial de l'agroforesterie. Nos sols sont naturellement très pauvres en azote et phosphore, qui constituent les éléments les plus importants pour la production agricole. C'est pourquoi nous avons décidé de promouvoir l'agroforesterie, car c'est un moyen d'augmenter la fertilité des sols.
Marc et Hilda Majoni sont des pionniers de l'agroforesterie qu'ils pratiquent depuis une vingtaine d'années. Ils exploitent un hectare de cultures vivrières, et notamment de maïs, qui constitue l'aliment de base au Malawi. Dans leur champ, Marc et Hilda utilisent comme engrais les feuilles de gliricidia, un arbre qu'ils ont planté autour de leur culture, mais aussi en alternance avec les plants de maïs. L'opération d'enfouissement doit être répétée 3 fois par an. Avant, les sols étaient détériorés. Ils n'étaient pas fertiles. Nous avons constaté de grands changements 4 ans après avoir planté les arbres. Avant, on utilisait les engrais chimiques, mais il y avait des problèmes quand il y avait une sécheresse et le maïs mourait. Mais maintenant, depuis des années qu'on utilise le gliricidia, le sol est de très bonne qualité. Et malgré la sécheresse, le maïs pousse, ça marche très bien. Ça permet de conserver l'humidité. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel arbre ? Non, on ne peut pas utiliser n'importe quel arbre. Il y a des arbres spécifiques que l'on appelle des arbres fertilisants. Ce sont des arbres légumineux qui ont la capacité de fixer l'azote. Des arbres comme le gliricidia, le leucaena, le federbia et l'acacia sont capables d'améliorer immédiatement la fertilité des sols. Les arbres sont plus efficaces que les engrais chimiques. Avant, je récoltais au maximum 100 sacs de maïs dans ce champ. Mais aujourd'hui, avec le gliricidia, j'en récolte au moins 200. Dans ces parcelles, les rendements sont multipliés au minimum par 2 ou par 3. Marc et Hilda ont 6 enfants et 7 petits-enfants. Leur dernier fils est chargé de nourrir les animaux avec les feuilles de gliricidia, qui constituent un excellent fourrage. Au Malawi, la majorité des familles paysannes ne mangent qu'une fois par jour. Le plat national est la msima, une sorte de polenta cuite à partir de la farine de maïs. Généralement, celle-ci vient à manquer pendant ce qu'on appelle les mois de soudure, c'est-à-dire la période qui s'étend entre la fin des stocks constitués lors de la dernière récolte et le début de la nouvelle moisson. Normalement, quand le climat ne marche pas sur la tête, le maïs est récolté au mois d'avril. Maintenant, ma vie a changé, car je n'ai pas de problème de nourriture. Ma famille mange bien et j'ai de l'argent. Avant, dès novembre, et parfois septembre, nos réserves de maïs étaient épuisées. En décembre, janvier, février, mars, on souffrait de la faim. Mais maintenant, grâce au gliricidia, nous avons suffisamment de maïs. Nous en vendrons à nos voisins et nous sommes heureux. J'ai des copains à l'école qui ne mangent pas bien parce que leur père n'utilise pas le gliricidia. Et ils ne récoltent pas assez. Moi et mon frère, nous pratiquons cette agriculture dans nos champs. Nous souhaitons, pour nos enfants et notre pays, le Malawi, que chaque personne ait ses arbres. Transformer les vies et les paysages. C'est le mot d'ordre du Centre mondial d'agroforesterie qui a été créé à Nairobi en 1977. À l'origine, sa mission était de trouver une parade à la déforestation dans les zones tropicales. Depuis, l'agroforesterie a le vent en poupe, car ce système d'exploitation agroécologique
qui associe les cultures et les arbres, constitue un modèle de gestion durable de la terre. De plus, il représente une réponse aux effets du changement climatique qui affecteront particulièrement l'Afrique subsaharienne, où on s'attend à une forte progression des zones arides et donc à une baisse de la production agricole. Il y a deux manières de combattre le changement climatique. Soit on essaie de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, soit on essaie de réduire leurs effets. Les arbres sont excellents pour séquestrer le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Ce sont des champions pour l'intégrer dans leur bois et le sol. Si nous augmentons la quantité d'arbres dans l'environnement, nous augmentons aussi notre capacité à stocker le dioxyde de carbone de l'atmosphère. C'est le bénéfice des arbres, et les arbres sont fantastiques. Pour les chercheurs de Nairobi, l'agroforesterie ne concerne pas que les pays du Sud, mais aussi ceux du Nord, où les adeptes de l'agriculture industrielle et de la fameuse révolution verte ont fait disparaître les arbres des surfaces cultivées. Or, l'agriculture industrielle est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre, car c'est une grande consommatrice d'engrais et de pesticides chimiques fabriqués avec du pétrole ou du gaz. Pour les spécialistes de l'agroforesterie, il est urgent que les pays développés revoient leur modèle agricole ou dominent les monocultures. Si les arbres sont si bénéfiques, comment se fait-il que les promoteurs de la révolution verte ne l'aient pas su ? Le postulat de la révolution verte, c'est que la production d'aliments est la chose la plus importante qui soit. Certes, c'est extrêmement important. Nous devons avoir suffisamment d'aliments pour nourrir le monde. Ce mono-objectif, cet objectif unique, a dirigé la machine agricole au cours des 50 dernières années. Le grand changement, c'est que la société a commencé à comprendre que l'agriculture ne se réduit pas à la production d'aliments. L'agriculture fournit l'eau, les gaz, l'oxygène de l'air. Elle est la base de la protection de nos sols et de nos paysages. Et puis, c'est très important en Europe, elle incarne l'esthétique, la beauté de la campagne. Si les paysans ont sous-évalué la valeur de ces services, c'est parce que la société ne les rétribuait pas pour ça. Est-ce que cela veut dire que la révolution verte appartient au passé et que nous devons revoir notre conception des paysages ? Tout à fait. Nous devons revoir notre manière d'évaluer les paysages en visant un nouvel équilibre entre le besoin d'augmenter la production alimentaire et celui de protéger nos paysages. N'oublions pas que partout où la révolution verte a été appliquée, les sols ont perdu leur valeur et leur qualité, et il faut absolument régénérer ces sols. Pour régénérer ces sols, il faut changer nos pratiques. Nous ne pouvons pas continuer à cultiver de la même manière, année après année. Dans ce processus de régénération des sols, les arbres ont un rôle majeur à jouer. Changer les pratiques. C'est aussi le mot d'ordre de Manfred Wenz et son fils Friedrich, deux agriculteurs biologiques qui exploitent une ferme de 33 hectares aux portes de la Forêt Noire. Pourtant, au début des années 1960, Manfred fut un fervent promoteur de l'agriculture industrielle. Pendant 15 ans, il a cultivé à grand renfort d'engrais et de pesticides chimiques. Ça a commencé en 1955 avec la culture du maïs hybride qui venait de France.
Au début, on n'avait pas de problème avec la pyrale du maïs. Mais au bout de 3 ou 4 ans, c'était de pire en pire et on a commencé à épandre des insecticides par hélicoptère. Et on avait un répit pendant un certain temps. Oui, je me souviens de la première fois où on a utilisé les hélicoptères. Il y avait des gens au bord de la route qui disaient « C'est pas possible, ils sont devenus fous ». Comment était votre sol ? Il était parfait quand j'ai commencé l'agriculture dans les années 1950. Mais 15 ans plus tard, il était tout dur et très clair. Il n'y avait plus d'humus. C'était une catastrophe. En 1967, on a eu un problème avec un insecticide, la cimazine. Il ne marchait plus du tout. J'ai tout essayé. Et j'ai décidé d'arrêter l'agriculture chimique en 1969 et je suis passé à la bio. Pendant 10 ans, ça n'a pas été facile parce que dans ma tête, je continuais à penser conventionnel. Labourer, travailler dur, bouger le sol. Et en 1980, j'ai connu le docteur Cumming qui m'a appris la technique du non-labour. C'est lui qui nous a appris à penser du point de vue du sol. C'est là qu'on a compris aussi qu'un bon sol devait avoir une couleur noire et pas claire. Pour moi, le XXe siècle fut le siècle de la chimie, notamment dans l'agriculture. Le XXIe siècle sera définitivement celui de la biologie. Sans la microbiologie et la connaissance des processus biologiques du sol, nous ne pourrons pas à l'avenir cultiver de manière efficace et durable. Manfred et Friedrich pratiquent ce que l'on appelle les techniques culturales simplifiées. Depuis 30 ans, ils ne labourent plus leurs champs, ils n'utilisent jamais d'engrais chimiques ni de compost, mais nourrissent leur sol avec un couvert végétal permanent, considéré comme un engrais vert. Enfin, ils pratiquent le semi-direct. En ce jour de mai, Friedrich sème du soja au milieu des plants de seigle et de trèfle fraîchement coupés, qui constituent ce que l'on appelle un mulch. Nous ne labourons pas avant de semer, car nous essayons de remuer le sol le moins possible, parce que chaque préparation du sol perturbe la vie microbiologique de la Terre. Un sol nu est du point de vue biologique un non-sens. Le seigle fabrique beaucoup de matière sèche et donc de carbone. Le trèfle est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air. Or, le carbone et l'azote constituent la base de l'humus. C'est donc un mariage de plantes qui se complètent parfaitement et qui ont différentes fonctions comme celle de protéger le sol. Le sol est protégé contre les agressions mécaniques, telles que la pluie, le vent, les rayons du soleil, contre la transpiration. On a une meilleure gestion de l'eau, ce qui est très important, surtout dans les régions sèches. Comment sont vos rendements comparés à ceux du soja conventionnel ? Avec notre système, nos rendements sont similaires. L'année dernière, ils ont même été plus élevés. Parfois, ils sont un peu inférieurs. Ça dépend des conditions climatiques. La question des rendements est au cœur des études menées par l'Institut Rodel. Pendant 30 ans, ces chercheurs ont comparé les performances de l'agriculture conventionnelle et biologique pour les 3 grandes cultures américaines, le soja, le blé et le maïs. Celles-ci ont été cultivées sur des parcelles expérimentales, côte à côte. Résultat,
L'agriculture biologique entraîne une réduction de 45% de la consommation d'énergie et de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Quant au rendement, le rapport publié par l'Institut Rodel confirme les résultats obtenus par Manfred et Friedrich Wenz. Chaque année, les rendements sont similaires. Les différences sont si minimes que les scientifiques les considèrent comme négligeables. Excepté pour les périodes de sécheresse où les performances des cultures biologiques sont supérieures à celles des cultures conventionnelles. Pourtant, l'un des arguments de l'industrie des pesticides, c'est qu'un passage massif à l'agriculture biologique entraînera une réduction de 20 ou 30% des rendements. Ce n'est pas vrai. Et nous l'avons prouvé. Et pas sur 3 ou 5 ans, mais sur 30 ans. Nous avons toutes les données scientifiques. Et la raison, c'est ce qui caractérise l'agriculture biologique, à savoir le sol. And that's the soil. Le sol est la clé. Il y a plusieurs manières d'apprécier la qualité du sol. D'abord, il y a la structure grumeleuse. Et puis ce sol comprend beaucoup de racines. Cela tient au fait que le seigle n'a pas été nourri artificiellement avec des engrais de synthèse et qu'il a dû se battre pour trouver de la nourriture à travers son système racinaire. Ensuite, quand on le sent, on a cette odeur de forêt, et c'est la preuve que la microbiologie du sol fonctionne à merveille. Le résultat, on le voit, quand on prend un morceau de terre et qu'on le met dans un verre d'eau, la terre ne se décompose pas immédiatement, car elle est très ferme. C'est ça l'humus. Ce morceau de sol a été cultivé de manière conventionnelle pendant 30 ans, et celui-ci de manière biologique. On voit comment la structure du premier ne tient pas. Il se défait facilement. L'eau est très trouble, tandis que là, l'eau est encore claire, et la structure originelle du sol se maintient. Dans le cas d'une sécheresse, si un peu de pluie est tombée au début de la saison, ce sol sera capable de conserver l'eau plus longtemps pour que les plantes s'en servent. À l'inverse, dans le cas de fortes pluies, le sol biologique absorbera l'eau plus rapidement, une capacité que n'aura pas le sol conventionnel. Dans ce cas, l'eau va ruisseler de la surface en érodant le sol, polluant les eaux souterraines et de surface avec les herbicides et les pesticides qui ont été utilisés. Nous avons besoin de systèmes stables qui ne marchent pas que dans des conditions optimales, mais qui sont capables de répondre à des conditions extrêmes. Et malheureusement, ça va être de plus en plus fréquent. Pour Friedrich et Manfred, l'avantage de l'agriculture biologique, c'est aussi la stabilité financière que garantit leur système agricole. Grâce à la réduction des coûts de production, ils économisent 500 euros par hectare et par an. Ces atouts financiers, ainsi que le problème de l'érosion des sols conventionnels, attirent de nombreux candidats à la conversion qui participent aux journées portes ouvertes organisées chaque année au mois de juin. À la mi-mai, je n'aurais pas osé vous amener ici. C'était affreux. Vu les conditions climatiques qu'on a eues en hiver, je suis plutôt satisfait. Je pense que je vais récolter au moins 3 tonnes de sarrasin et je pourrai satisfaire la demande de mes clients et de mon boulanger. Je suis venu ici parce que j'ai beaucoup de problèmes d'érosion de mes sols. J'espère les régler avec cette méthode. Ça a l'air de bien fonctionner. Pourquoi ?
Il n'y a pas de mauvaise herbe alors qu'il n'a pas utilisé de produits chimiques. Et le sarrasin? Il est très beau. Tout ce que nous montre Friedrich est une solution pour améliorer ma pratique. Et leur savoir est important? Oui, très important. C'est comme une petite graine qui donne envie de continuer. Ça vous donne de l'espoir? Oui, beaucoup d'espoir. Quels sont, d'après vous, les principaux obstacles à une conversion massive vers l'agriculture biologique en Allemagne ou en Europe? Pour moi, le principal obstacle, c'est que l'énergie est trop bon marché. Le jour où le prix de l'énergie montera et que l'agriculteur conventionnel ne pourra plus payer les engrais chimiques, il sera obligé de se tourner vers l'agriculture biologique, parce que ça ne sera plus supportable. Je crois que parmi les obstacles principaux à opérer ces transitions vers une agriculture durable, il y a les intérêts économiques au maintien du système actuel. Ce sont des intérêts qui sont extrêmement puissants. Les fournisseurs d'intrants chimiques n'ont aucun intérêt à ce que l'on enseigne aux agriculteurs comment se passer de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils vendent. Je crois qu'il faut que les États comprennent qu'ils doivent travailler pour le bien-être des populations dans le long terme et qu'ils ne doivent pas simplement être au service des intérêts de quelques multinationales qui monopolisent le pouvoir aujourd'hui dans le système agricole. Hans Herren dirigea un rapport qui fit beaucoup de bruit en 2008. Intitulé « L'agriculture à la croisée des chemins », sa rédaction avait mobilisé 400 scientifiques internationaux sous la houlette de l'ONU et de la Banque mondiale. Approuvé par 60 pays, le rapport concluait que le système de production des aliments devait être revu de fond en comble. Quelles sont les principales conclusions? Nous devons vraiment changer de paradigme, aller dans une autre direction. Et dans quelle direction? Nous devons opérer une transition d'une agriculture productiviste, à gauche sur la diapositive, qui est certes très productive, mais n'est pas durable, vers une agriculture durable, qui est aussi très productive, mais à l'échelon de la ferme et non plus à l'échelon global des cultures. Nous devons aussi revaloriser le statut du paysan qui est toujours considéré tout en bas de l'échelle sociale. Non, il devrait être tout en haut car sans lui, il n'y a pas de nourriture et donc plus de vie possible. Nous devrions avoir la même estime pour les paysans que pour les médecins. Nous devons faire en sorte que le métier agricole soit bien payé et récompensé à sa juste valeur. Le changement de paradigme va bien au-delà du champ ou de l'étable. Je vous remercie. Chaque pays doit être responsable de son agriculture en investissant dans ses propres paysans, dans ses propres scientifiques, dans ses propres institutions, afin de soutenir le changement de paradigme. Il est clair que pour cela, nous avons besoin du savoir des paysans, mais aussi de science et de technologie. La clé, c'est de trouver comment nous pouvons marier les innovations et le savoir des paysans. Pour cela, il faut rattraper 50 ans de retard dans la recherche pour une agriculture durable. Pushpull is a technology where you don't have to apply any pesticide, any fertilizer, any herbicide. Still, you can increase the yield and increase soil fertility. And I would like to see at least 1 million people here to adopt it.
If there are 10 people in a family, we can see 10 million people to be food secure immediately in this conflict. Le docteur Zeyur Khan est un entomologiste indien qui a commencé sa carrière aux États-Unis avant de rejoindre l'ICP, un centre de recherche international sur les insectes financé par des fonds privés et publics. Il est l'inventeur d'une technique agroécologique pour laquelle il a reçu de nombreuses distinctions académiques. Baptisée push-pull, en français répulsion-attraction, elle permet de lutter contre les parasites du maïs qui, comme au Malawi, constitue l'aliment de base. When I came to Africa, quand je suis arrivé en Afrique en 1993, j'ai constaté que les petits paysans avaient trois problèmes. La pyrale du maïs, l'herbe des sorcières et un sol peu fertile. En Afrique, l'herbe des sorcières peut causer des pertes annuelles de 7 à 13 milliards de dollars. Voici ce qu'on appelle l'herbe des sorcières. C'est une plante parasite qui se nourrit des racines du maïs. Voici le type de maïs que j'obtenais avant sur ma ferme. Je travaillais très dur, mais cela ne suffisait pas à nourrir ma famille. L'autre ennemi de John, c'est ce petit papillon nocturne qui représente le principal ravageur du maïs. Baptisé pyrale du maïs, il pond ses œufs sur les feuilles de la plante. Les larves se transforment en chenilles qui creusent des galeries au cœur des tiges, provoquant d'importantes baisses de rendement. En Afrique, les pertes dues au papillon infernal sont estimées à 10 milliards d'euros. C'est précisément pour lutter contre la pyrale du maïs que la firme américaine Monsanto a inventé le fameux Mon 810, un maïs transgénique manipulé pour sécréter en permanence une substance insecticide. Je n'ai pas découvert la technologie push-pull tout de suite. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver une technique qui permette de résoudre tous ces problèmes. Il a fallu aussi beaucoup de recherches pour comprendre la communication entre plantes et insectes ou entre les plantes elles-mêmes et pour choisir soigneusement les plantes capables de repousser mais aussi d'attirer les insectes tout en contrôlant l'herbe des sorcières et en augmentant la fertilité des sols. Dès le début du projet, nous avons travaillé étroitement avec les paysans pour choisir des plantes qui présentaient un avantage économique pour eux. John et sa femme Pérez exploitent une ferme de 2 hectares. Ils ont adopté le push-pull en 2008. 3 ans plus tard, ils ont complètement éliminé l'herbe des sorcières et la pyrale du maïs et ont définitivement renoncé aux engrais et pesticides chimiques ainsi qu'aux OGM que Monsanto essaie d'introduire au Kenya. La méthode de contrôle biologique inventée par le Dr Khan repose sur l'action de 2 plantes, le Desmodium et l'herbe à éléphant qu'il a sélectionné parmi 600 végétaux africains. Avant, dans cette parcelle, les rendements étaient très bas. Dans un demi-hectare, je récoltais 2 sacs de 90 kg. Les rendements sont passés de 2 sacs à 22 ou 24 sacs. Cette plante s'appelle Desmodium. Elle détruit les racines de l'herbe des sorcières. Elle apporte de l'azote au sol. De plus, elle recouvre entièrement le sol et le protège de l'érosion. Le Desmodium est aussi un répulsif pour la pyrale du maïs qui affecte nos cultures. Quand les pyrales sentent le Desmodium, elles s'enfuient et partent vers l'herbe à éléphant.
L'herbe à éléphant est plantée autour du champ de maïs. Elle attire la pyrale, qui a été repoussée par le desmodium. La pyrale aime l'herbe à éléphant, qui produit une substance gluante. Quand les pyrales pondent leurs œufs sur les feuilles de l'herbe à éléphant, les larves meurent. C'est pourquoi nous appelons cette technologie push-pull. Push-pull. L'un des arguments utilisés par l'industrie des pesticides, c'est que l'agroécologie, et le push-pull est une méthode écologique de contrôle des ravageurs, c'est revenir à l'âge de pierre. Que répondez-vous ? Ce n'est pas une technologie de l'âge de pierre. Au contraire, elle est basée sur de la science de très haut niveau, car il faut bien comprendre la chimie de la plante. Le push-pull est maintenant enseigné partout dans le monde, dans les cursus universitaires de Chine ou d'Amérique, comme une technique agroécologique hautement scientifique. Les paysans qui utilisent la technique du push-pull comprennent beaucoup mieux les systèmes agraires. Ils sont plus habiles et pratiquent l'agriculture d'une manière bien meilleure que les paysans qui se contentent d'acheter une bouteille de pesticides et de l'appliquer. La technique du push-pull a permis à John et Pérez de diversifier leurs productions agricoles. Ils ont agrandi leur cheptel de chèvres et vaches laitières qu'ils nourrissent avec l'herbe à éléphant et le desmodium. Grâce à ce fourrage riche en protéines, la productivité du lait a été multipliée par 3. Le couple a fait construire une nouvelle maison pour héberger sa nombreuse famille. Il l'appelle la maison du push-pull. Pérez récolte les semences de desmodium qu'elle vend aux nouveaux adeptes du push-pull. À ce jour, 50 000 paysans kényans ont adopté la technique. Désormais autosuffisante, la famille tire aussi des revenus substantiels de sa production de maïs. Avant de pratiquer le push-pull, nous n'avions pas de surplus. Mais nous devions acheter des compléments de maïs sur le marché. Aujourd'hui, au lieu d'acheter du maïs, nous en vendons sur le marché. Le push-pull est présenté comme une technique agroécologique durable et efficace dans un rapport publié par les Nations Unies en 2008. Intitulé « L'agriculture biologique et la sécurité alimentaire en Afrique », il s'appuie sur une quinzaine d'expériences en Afrique de l'Est et conclut que l'agroécologie permet d'augmenter les rendements d'au moins 120% dans un délai de 3 à 10 ans. Après avoir rappelé qu'en Afrique subsaharienne, le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté de 20% au cours des 20 dernières années, les experts de l'ONU encouragent les décideurs politiques à considérer, je cite, « d'un œil nouveau les promesses de l'agriculture biologique ». L'agriculture biologique est basée sur les savoirs locaux, sur les ressources et les intrants locaux. Le mot décisif est « local ». Avec en plus un souci de prévention et de régénération, c'est-à-dire on crée les moyens de production sur une base durable. Ce modèle de développement local est très attractif pour les pays en voie de développement, car il se fait au moindre coût. Il permet de créer de la production locale et des marchés locaux. C'est un modèle autonome qui tire toute l'économie vers le haut. Cela veut dire que l'on devrait soutenir les petits producteurs activement et publiquement.
Absolument. Aujourd'hui, les experts considèrent qu'on doit attribuer aux petits paysans un rôle tout à fait nouveau. Mais cela suppose une transformation radicale des politiques agricoles qui s'apparente à une vraie révolution agricole. Les petits producteurs doivent être systématiquement soutenus. Même la Banque mondiale, dans un rapport récent, a estimé que chaque dollar investi dans l'agriculture engendre 3 dollars d'activité économique contre 1,5 ou 2 dollars seulement pour 1 dollar investi dans le secteur industriel. L'histoire du Sénégal est exemplaire. À l'instar de nombreux pays du Sud, cette ancienne colonie française est passée sous la coupe du Fonds monétaire international dans les années 1980. Sous prétexte de juguler sa dette, le pays a été contraint d'appliquer ce que l'on appelle un plan d'ajustement structurel. Dans le domaine agricole, cette politique a conduit à privilégier les cultures d'exportation comme l'arachide ou les légumes cultivés sous serre, à grand renfort d'irrigation. Dans le même temps, le pays était envahi par les surplus agricoles des pays européens, comme le blé ou l'oignon. En 2006, alors que la dépendance alimentaire du Sénégal ne cessait de progresser, le gouvernement a pris une décision iconoclaste. Il a interdit l'importation des oignons de février à juillet, c'est-à-dire pendant les 6 mois de la production nationale. Or, avec le riz, l'oignon est l'aliment le plus consommé du pays. Ibrahim Sall est père de 9 enfants. Il cultive des tomates, du riz et des gombos sur une parcelle au bord du fleuve Sénégal. Mais en ce mois d'avril, c'est son champ d'oignons, situé à l'intérieur des terres, qui mobilise toute son attention. Le fait qu'on interdise l'importation des oignons, ça nous apporte du bonheur, pratiquement nous les paysans. Si par exemple maintenant on ne protège pas les oignons, c'est toute une filière, c'est toute une chaîne. Des gens qui en dépendent, qui vont vraiment en souffrir. Ma foi m'aide, mais aussi il y a certaines choses que je ne peux pas faire tout. Je suis obligé de prendre des gens pour qu'ils m'aident. Je donne l'exemple des saisonniers qui sont ici pendant 3 mois. Je les paye par exemple pour déterrer 1 hectare, 60 000 francs. Les fleurs d'oignon, ce sont les peules qui viennent couper parce qu'eux, ils ont leur bétail. Les animaux arrivent à survivre
parce que nous sommes à une période qui est extrêmement sèche à l'heure actuelle, il n'y a pas d'herbe, l'herbe fraîche. Donc c'est avec ça qu'ils arrivent à nourrir leurs animaux. S'il n'y avait pas cette filière, moi personnellement, je ne serais pas là. Parce que j'allais vraiment, je pensais quand j'avais 20 ans, 25 ans, je pensais à l'immigration, je pensais à aller ailleurs, à faire ceci, à faire cela. Alors que c'est grâce à l'agriculture, c'est surtout la culture des oignons qui m'a vraiment donné confiance et que je suis vraiment, que je pouvais faire quelque chose ici, sans aller ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui partent alors que si vraiment l'agriculture est bien protégée et si bien on met les moyens qu'il faut, tout le monde peut vivre ici sans sortir de la vallée du fleuve Sénégal. L'interdiction temporaire d'importer les oignons a entraîné un développement spectaculaire de la filière. En 6 ans, la production annuelle est passée de 80 000 à 230 000 tonnes. Tandis que le chiffre d'affaires était multiplié par 7. Ibrahim vend sa production borchan, comme on dit ici, un banabana, un intermédiaire qui se charge du transport des oignons du champ jusqu'à Dakar. Ce jour-là, Ibrahim n'est pas satisfait, car les marchés de la capitale sont saturés d'oignons et le prix s'est effondré. Le problème d'Ibrahim, c'est que la production des oignons est saisonnière et qu'il n'a aucun moyen de stocker une partie de sa récolte pour pouvoir l'écouler au gré de la demande. Pour être pleinement efficace, l'interdiction temporaire des importations devrait être accompagnée d'un développement des aires de stockage. Si je ne vends pas, je suis obligé d'attendre, de faire des hangars provisoires, ou bien j'amène, je stocke sous les arbres. Comment faire? Je suis sûr, si par exemple on trouve des magasins pour pouvoir stocker, nous pourrons satisfaire le Sénégal, les besoins du Sénégal pendant 10 mois. C'est notamment pour évoquer le problème crucial des magasins de stockage qu'Ibrahim et son collègue Ousmane sont montés à Dakar, où se tenait la FIARA, la plus grande foire agricole d'Afrique de l'Ouest. Ça c'est bio. Bio. Tout est bio. Pour l'édition 2012, la FONGE, qui compte 31 organisations paysannes, a organisé un débat intitulé « La filière oignon et la souveraineté alimentaire ». Y participaient les 3 acteurs clés de la filière, les producteurs, les commerçants, mais aussi les consommateurs. Face à eux, le représentant de l'Agence de régulation des marchés. Créée en 2003, l'agence est chargée de contrôler l'interdiction d'importer des oignons, tout en veillant à ce que les prix ne dérapent pas. Disons-le clairement, cette structure de concertation est exemplaire, car elle repose sur 3 piliers fondamentaux, le protectionnisme, la régulation et la protection du consommateur. Est-ce que vous considérez que c'est un modèle, cette filière de l'oignon au Sénégal, qui pourrait inspirer d'autres pays du Sud? Et ma deuxième question, c'est comment a réagi l'Organisation mondiale du commerce à cette décision? Parce que d'après les règles de l'OMC, elle pourrait considérer que c'est une entorse au libre-échange. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui adoptent ces mesures? Pour l'instant, en Afrique de l'Ouest, non. Nous avons osé, peut-être les autres pays n'ont pas encore osé dans ce sens, mais en tout cas, la conférence des ministres de l'Agriculture a recommandé à ce que ce modèle soit institué au niveau de l'ensemble des pays de la sous-région. Et j'ai fait 9 pays de la sous-région pour partager avec eux ce modèle donc, de régulation. Par rapport à l'OMC, j'ai à vous dire que l'OMC est venu jusqu'au Sénégal, en tête à tête, ils sont entraînés avec nous pour nous dire qu'on ne peut rien contre vous. Entre le producteur et le marché, il y a beaucoup d'intermédiaires. Chacun prend sa part. Le perdant, c'est le paysan. Moi, paysan.
Il faut aussi qu'on parle du problème des magasins. Tant qu'on n'aidera pas les paysans à vendre et à stocker, la filière des oignons ne pourra pas se développer. Donc, Ibrahim Sall, oui, les magasins, évidemment, bon, nous prendrons les dispositions qu'il faut. Pour ce qui concerne les intermédiaires, comme vous dites, ce sont les intermédiaires qui n'ont pratiquement pas sué, qui n'ont pratiquement rien investi, qui s'adjugent le maximum de marge de bénéficiaires. Nous allons essayer, en tout cas, d'en arriver à une répartition équitable de la marge bénéficiaire pour que chacun puisse s'y retrouver. Le développement de la filière oignon peut se faire de manière tout à fait équilibrée, c'est-à-dire que le producteur s'y retrouve avec des prix rémunérateurs, que le commerçant s'y retrouve en ayant toujours sa marge et que le consommateur y gagne par une consommation d'oignons de qualité. Si ces différentes, en tout cas, approches sont réalisées, nous arriverons vraiment à un développement très important donc de la filière oignon. Je pense que un des problèmes des dernières années, c'est que l'on a pensé en opposition les intérêts des producteurs et des consommateurs. Au fond, les consommateurs, pensait-on, ont intérêt à des prix bas, à une diffusion de masse des produits alimentaires uniformes, à travers des circuits de distribution de plus en plus développés. Et on a opposé les intérêts des consommateurs aux intérêts des producteurs, qui, eux, pensait-on, ont intérêt à ce que les prix soient élevés. Et donc, on se disait, il faut arbitrer entre les intérêts de ces deux groupes. Et donc, la question des prix est mal posée. Ce qu'il faut poser comme question, c'est de savoir qui fait des profits dans la manière dont le système alimentaire est organisé. Et au fond, quand on pose cette question, on se rend compte que la marge des producteurs est de plus en plus petite, que les consommateurs, eux, payent de plus en plus cher, y compris quand les revenus des producteurs sont de plus en plus bas. Il faut aller vers des chaînes plus courtes qui permettent à la fois aux consommateurs et aux producteurs de gagner dans des systèmes alimentaires qui relient plus étroitement les uns aux autres et permettent aux producteurs d'être mieux payés pour leur travail et aux consommateurs d'avoir accès à des produits à des prix plus abordables. Avec ses 130 millions d'habitants, le Japon est l'un des pays le plus dépendant du monde pour son alimentation. Il importe près de 60% des denrées qu'il consomme, à l'exception du riz, pour lequel il est autosuffisant. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement soutient la production de l'aliment de base de la population en taxant lourdement les importations. Résultat, on trouve des rizières partout dans l'archipel, dans les vallées, les montagnes et y compris dans les villes. Comme ici à Ogawa, une ville de 40 000 habitants située à 60 km de Tokyo. C'est ici qu'est installé Yoshinori Kaneko, qui pratique l'agriculture biologique depuis 40 ans. Avec une caractéristique, il est totalement autonome, que ce soit pour les moyens de production ou pour la vente de ses produits. Sur ses 3 hectares, Kaneko cultive des céréales, des oléagineuses, mais aussi une grande variété de fruits et de légumes. Je fais 60 légumes dans l'année et une centaine d'espèces végétales différentes. En japonais, on appelle les paysans des yakusho, ce qui veut dire celui qui cultive 100 choses. Les consommateurs sont contents d'avoir plein de légumes différents et puis l'agriculture, ce n'est pas comme dans l'industrie. Si on ne fait qu'une sorte de culture, ça provoque des maladies et des parasites. La nourriture qui constitue la vie et la santé n'a rien à voir avec les produits industriels. Chaque légume est unique. Sans légumes, ce sont 100 vies qui me sont confiées. Derrière les tâches agricoles se cache une philosophie qui explique l'incroyable harmonie qui règne sur la petite ferme.
Ici, tout est traité avec beaucoup de soin. Les plantes, les arbres ou les animaux, dont le bien-être est capital. Fils de paysan depuis plus de 10 générations, Kaneko a coutume d'expliquer sa démarche par une anecdote. Dans les années 1960, alors que le Japon voulait moderniser son agriculture, son père s'est lancé dans l'élevage intensif de vaches laitières et pour lui, ce fut le début des problèmes. Mon père avait 30 vaches. Chaque vache fait 30 kg de fumier par jour. Donc, on avait une tonne de fumier par jour qu'on ne pouvait pas écouler. De plus, les vaches étaient en mauvaise santé, donc je suis revenu aux fondamentaux de l'élevage. J'ai 3 hectares de culture et de rizière. Quand on pense à l'équilibre entre les herbes, les champs, les rizières, 3 vaches, c'est le bon nombre, car je peux les nourrir complètement. J'achète juste du sel à l'extérieur et rien d'autre. L'autosuffisance, c'est le maître mot de Kaneko. Chez lui, rien ne se perd, car tout fait partie du cycle de la vie. Les déchets produits sur la ferme sont recyclés pour alimenter la production agricole, qui fonctionne en circuit fermé. Comme le fumier des vaches, qui constitue la base du compost. Les débris de végétaux, comme le marc de soja, sont mélangés aux excréments animaux ou humains pour fermenter dans une cuve. Le méthane, produit par la décomposition des matières organiques, est récupéré et sert d'énergie pour la cuisine. L'agriculture biologique ne contribue pas au réchauffement climatique. C'est un mode de production qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas tout. Kaneko est aussi autonome pour l'alimentation énergétique de ses engins agricoles, car il fabrique son propre carburant à partir des huiles usées qu'il purifie à l'aide d'une centrifugeuse. Depuis 40 ans, toute la production de la ferme est livrée à 2 associations de consommateurs basées à Ogawa et à Tokyo. C'est ce qu'on appelle au Japon les Tekkei, un mot qui signifie « partenariat » et qui désigne aujourd'hui un mode de vente direct de produits fermiers biologiques. Ici, tout est bio. Le mouvement des Tekkei a été créé en 1971, en même temps que la Fédération japonaise de l'agriculture biologique, dont Kaneko fut un membre fondateur. Je collabore avec 30 familles de consommateurs. Nous avons une relation très proche, comme dans une vraie famille. Et nous partageons la même exigence de qualité. Pour ces 30 familles, il n'y a pas de prix fixé pour les légumes. Nous les offrons et en échange, nous recevons ce que nous appelons un remerciement. Parce que nous considérons que la nourriture n'est pas un produit comme les autres. C'est une relation très sereine, où la question du prix est accessoire. Dans quel contexte économique et social sont nés les Tekkei? Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a misé sur l'industrialisation pour sa reconstruction. Avec l'aide des États-Unis, il a essayé de rattraper le niveau des pays développés. Dans les années 1960,
Le pays a connu un énorme développement économique et un peu partout dans le pays sont apparues des maladies liées à la pollution, comme la maladie de Minamata, due à la pollution par le mercure, la maladie de Itaitai, provoquée par l'intoxication au cadmium, et les asthmes de Yokkaichi, dus à la pollution atmosphérique. Dans la nourriture, on a trouvé des résidus de produits chimiques, ce qui a provoqué l'inquiétude des jeunes mères de famille dans les villes, qui ont donc cherché à se procurer des aliments sains. Elles ont créé des associations et elles ont contacté des paysans pour leur demander de produire des aliments biologiques. Ce mouvement des jeunes mères de famille est à l'origine des tekkei au début des années 1970. Tomoko n'a pas oublié ses premières rencontres avec les jeunes citadines qui n'avaient jamais vu une ferme de leur vie. Aujourd'hui, le système est bien rodé. Les paniers sont préparés deux fois par semaine, en fonction des goûts des familles, avec qui les Kaneko collaborent depuis près de 20 ans. Ça fait partie des bonnes choses du tekkei. J'enregistre dans ma tête tous les besoins des consommateurs. Je sais que telle famille aime ceci, telle autre aime plutôt cela. Si une famille aime beaucoup les concombres, j'en mets plein dans le panier. Si au contraire, elle ne les supporte pas, je mets autre chose à la place. Je fais le panier à peu près sur mesure. Généralement, quand on parle de consommateur et de producteur, on pense à une relation basée sur le profit. D'un côté, il y a celui qui veut vendre ses légumes le plus cher possible. De l'autre, celui qui veut les acheter le moins cher possible. C'est plutôt une relation un peu conflictuelle. Dans les tekkei, c'est différent. Les producteurs et les consommateurs collaborent pour que l'agriculture puisse continuer dans les meilleures conditions possibles et produire des aliments sains qui profitent à tous. Ce qui est important dans cette relation, c'est que les gens nouent des liens. Il ne s'agit pas seulement de vente et d'achat de produits, c'est ça le principe du tekkei. Quand mon enfant est né, je ne voulais pas le nourrir avec des légumes qui contenaient des résidus de pesticides. Car je pense que c'est très mauvais pour la santé. Les légumes des Kaneko sont très bons. C'est pourquoi je continue de m'approvisionner chez eux. Est-ce que vous savez que ce système des tekkei est repris un petit peu partout dans le monde maintenant? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, je ne savais pas. C'est vrai que c'est un système très rassurant parce qu'on voit les producteurs et on connaît l'état de leurs champs. De fait, le système des tekkei a le vent en poupe, comme aux États-Unis où les CSA, mot à mot, l'agriculture soutenue par la communauté, ont été créés dès 1985. Ou en France, où la première AMAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, a vu le jour en 2001, avant d'essaimer dans tout le pays. Kaneko est souvent sollicité pour témoigner de son expérience. En attendant, il continue d'innover. Depuis quelques années, il collabore avec de nouveaux partenaires durables et bio, chargés de préparer sa rizière avant le repiquage. Ce sont des canards adultes que je lâche une dizaine de jours avant le repiquage du riz pour qu'ils labourent la rizière. Ils mangent les mauvaises herbes et les insectes, ils remuent l'eau et la terre. Ça empêche les mauvaises herbes de pousser et en plus, ils fabriquent de l'engrais naturel. Et puis à l'automne, on a le riz et des plats de canard. Au Japon, on dit que c'est un oiseau aux 10 000 trésors.
Donc en fait, ces canards, ils travaillent pour vous? Oui, je les considère comme ma mère et en fait, j'ai du mal à les manger. Le couple Kaneko n'a pas pu avoir d'enfants, mais il a pourtant une grande famille. Tous les repas sont partagés avec le chef de culture, mais aussi avec les stagiaires japonais et internationaux qui se succèdent depuis 30 ans. Certains sont étudiants, d'autres retraités. Tous envisagent de s'installer en agriculture biologique en suivant les enseignements de celui qu'ils considèrent comme leur maître. Je suis venu chez Kaneko parce que non seulement il est autonome d'un point de vue alimentaire, mais aussi dans le domaine de l'énergie. Tous les légumes sont bons. Et moi aussi, mes légumes sont bons. Et je peux comparer, ces légumes sont meilleurs que les miens. Tout ce qu'il y a sur la table vient de la ferme? Oui, tout vient de la ferme, sauf le poisson. Il n'y a pas de poisson dans la province de Saitama. Est-ce que vous pensez que l'agriculture biologique pourrait nourrir le Japon? Oui, je pense que oui. L'État et les experts disent que c'est impossible, mais mon expérience montre que c'est possible. Mon modèle, c'est 2 hectares de culture et de riz. Avec ça, on peut nourrir complètement 10 familles. Si on divise 2 hectares par 10 familles, chaque famille a besoin de 20 tares pour se nourrir. Or, au Japon, chaque habitant dispose en moyenne de l'équivalent de 4 hares. Donc, une famille de 5 personnes peut être autosuffisante. Si on se base sur les surfaces cultivées actuelles, le pays peut se nourrir soi-même.小川町はですね、東京に一番近い田舎ということで売り出してます。昨年は東日本大震災、それと原発事故ということで、もう一回私たちは食とエネルギーの自給するっていう石積みをですね、やり直さなくちゃならない時代に入ったんだと思います。十分楽しんで半日を過ごしていただければと思います。 Chaque année, le 10 juin, Kaneko organise ce qu'il appelle la fête du saké, en hommage au vin ancestral produit par fermentation du riz. Sont conviés les membres des tekkei, mais aussi les voisins, les cousins, les copains, tous ceux qui veulent renouer avec la terre nourricière en apprenant à repiquer les jeunes pousses de riz qui constituent avec le maïs et le blé la céréale la plus consommée au monde. En voyant ces femmes, ces hommes et ces enfants venus de la ville pour aider Kaneko, le paysan bio, à ensemencer la rizière qui les nourrira, j'ai repensé aux paroles que j'avais entendues un an plus tôt sur un plateau de la télévision française et qui assuraient qu'on ne pourrait pas nourrir le monde sans pesticides. Je me suis dit que c'était précisément les pesticides et le modèle agronomique et économique qu'ils incarnent, qui affamait le monde. Je suis formel, nourrir 9 milliards de personnes en 2050, même un peu plus, et qui est prévu avec une agriculture sans pesticides, c'est absolument possible. Je suis absolument formel là-dessus, mais par contre, c'est savant. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui évitera la monoculture, qui évitera de ne mettre qu'une seule espèce, qu'une seule variété dans un même champ. C'est au contraire une agriculture savante dans laquelle il y aura associé dans un même champ plusieurs espèces, plusieurs variétés tolérantes à différentes catégories d'insectes et d'agents pathogènes. Savez-vous sur quoi se fondent ceux qui prétendent qu'on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides? Je pense qu'effectivement, cet argument selon lequel on ne pourrait pas produire et nourrir la population sans pesticides, c'est le discours de l'agrochimie et ça sert leurs intérêts. Donc ce qu'il faut, c'est une véritable révolution agricole.
Une véritable révolution agricole, absolument, dans tous les sens du terme. C'est à la fois une révolution technique, passer de processus industriels et des produits standards à une agriculture plus respectueuse de l'environnement et plus artisanale. C'est une révolution, faut être honnête, culturelle pour les agriculteurs, de comprendre que ce qu'on leur a dit être moderne n'est finalement pas si moderne, et que l'agriculture moderne de demain, c'est celle qui respectera les abeilles, les pucerons, les coccinelles et les carabes. Que les agriculteurs ne se découragent pas. C'est politiquement, il nous faut gagner un combat. Et pour gagner ce combat, c'est unis, il faut mener consommateurs, environnementalistes, agriculteurs, tous unis vers une agriculture au service de l'intérêt général.